Guerre Hamas-Israël. 37 morts après une frappe israélienne sur une école de l'ONU, abritant une base du Hamas, à Gaza. Le point sur la situation, la frappe, revendiquée par Tsaal, a eu lieu dans la région de Nousera, d'après le bureau des médias du Hamas. L'armée israélienne a revendiqué une frappe aérienne meurtrière contre une école de l'ONU, abritant selon elle, une base du Hamas, à Gaza. Saal annonce la mort d'un soldat dans le nord d'Israël après des affrontements avec le Hezbollah libanais. Le Figaro fait le point sur la situation liée au conflit à Gaza ce jeudi 6 juin. L'armée israélienne a revendiqué tôt ce jeudi 6 juin une frappe aérienne contre une école de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, UNRWA, dans la bande de Gaza, abritant selon elle, une base du Hamas, qui a fait au moins 37 morts selon le mouvement islamiste. Des avions de combat de l'armée, Mené une frappe précise sur une base du Hamas placée à l'intérieur d'une école de l'UNRWA dans la région de Nousera, a affirmé dans un communiqué l'armée israélienne qui a fait état de plusieurs terroristes tués. Des terroristes du Hamas et du djihad islamique appartenant aux forces NUKBA et ayant participé à l'attaque meurtrière contre des communautés du sud d'Israël le 7 octobre dernier opéraient dans cette enceinte. Les terroristes ont dirigé leur campagne de terreur depuis la zone de l'école tout en l'exploitant et en l'utilisant comme abri, a assuré l'armée. Un nombre considérable de martyrs et de blessés continuent d'affluer à l'hôpital des martyrs d'Al-Aqsa, situé dans la ville de Deir al-Bala, a assuré le bureau des médias du Hamas accusant l'armée israélienne d'avoir commis un horrible massacre. L'armée israélienne a annoncé jeudi la mort, au combat, d'un de ses soldats dans le nord d'Israël, d'affrontements transfrontaliers quotidiens avec le Hezbollah libanais. L'armée, qui a publié l'identité de ce soldat sur son site internet, ne précise pas le lieu exact de sa mort. Mercredi, dans un climat de guerre larvée avec le Hezbollah, l'armée avait annoncé que, deux drones explosifs lancés, du Liban, avaient frappé la zone de Hurfesh, bourgade située à moins de 5 km de la ligne de démarcation avec le Liban.